heureux, mais ça s'est pas fait si facilement que ça, parce que lui, je reçois un coup de fil il y a quelques mois. Moi, je suis par moins 30 degrés dans les forêts de la Laponie, en plein milieu, dans une sorte de chalet en plein milieu des forêts totalement glacées. Et on m'annonce que j'ai le prix Michel Lebrun. Donc, évidemment, je suis ultra, ultra content parce que c'est un prix qui est important pour les auteurs de polar. C'est un prix qui a reconnu Daniel Pennac, c'est un prix qui a reconnu Dantec, c'est un prix qui a reconnu Fred Vargas, c'est un prix qui a référé belle succession. Michel Jussy, donc c'est un honneur. Jusqu'au moment où j'apprends que le prix est remis en décembre, que moi en décembre je suis toujours en Finlande, et que donc j'ai plus le prix. Voilà, l'ascenseur émotionnel, même dans le téléphone, j'ai le prix, puis j'ai plus le prix. Et puis, je voulais remercier les organisateurs, les organisatrices, les membres du jury d'avoir accepté pour un dessous de table. Tout ça, de bien vouloir tordre le protocole et d'accepter finlandais, c'était pas derrière ça. De décaler un peu ce prix-là au mois de février pour que je puisse le recevoir. Donc à nouveau, merci beaucoup et j'en suis vraiment, vraiment très, 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 très fier. Merci. Bonjour à tous. On est vendredi, fin de semaine. Je n'ai absolument pas eu le temps de vous prendre de la semaine parce que j'ai eu des jours de dingue, hyper remplis. Au boulot, c'est la catastrophe. Je suis épuisée, le service est dans un état catastrophique et est très chargé et je suis épuisée. Et quand je suis chez moi, je n'ai qu'une envie, c'est de me reposer, de dormir, de ne rien faire. Donc voilà, j'ai énormément de retard, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ouvrir et c'est ce que je vais faire de suite. J'ai rien ouvert de la semaine, si bien que, tac, première partie, deuxième partie, on a du taf, on va s'y mettre de suite. Alors, un paquet que j'ai reçu, je ne sais plus quand du coup, qui nous vient de... C'est vrai. Oh, voilà, il faut que je le lise. Il faut que je le lise en priorité. Tac. Ça nous vient de Cherche Midi. C'est Ils étaient 7. Alors. De C.A. L'Armeur. Bon, je vais vous lire. Quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt, 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs, il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de Cozy Crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans Le Crime du SS Orient. Trop génial. Trop génial. Merci Benoît de la proposition de lecture, merci de cet envoi, je me le lis très très vite, je vais me le glisser, je vais essayer de me le glisser la semaine prochaine, il me tente trop, il me tente beaucoup trop, donc ça, priorité, tac, ensuite, un gros paquet qui nous vient, ah oui, des éditions Albin Michel. Je vais éternuer. Alors.
deux romans qui nous viennent de chez Albin Michel. Le premier, d'Agnès Ledig, Un abri de fortune. J'admire cette couverture. Alors, avec un peu d'amour, on fait de grandes choses. En deux années, mes voisins ont transformé cette bâtisse vosgienne à l'abandon en refuge. Du haut de mon banc et de mon grand âge, je viens chaque jour guetter les changements. Les trois premiers locataires sont aussi cabossés que moi. Un homme qui se remet d'un geste irréparable, une gamine fragile comme un moineau, et une femme camouflant la misère sous sa légèreté. Je savais qu'au contact des arbres, des bêtes et du jardin, ils allaient oublier leur peine et s'offrir un nouveau destin. Quand ils ont fait cette découverte dans les taillis et qu'ils se sont mis à remuer le passé, je me suis demandé jusqu'où ça allait les mener. Eh bien, vous allez être sacrément surpris. Trop cool. Trop bien. J'adore cette couverture toute Pepsi, là. Amour et autres obsessions de Liane Moriarty. Elle est belle. Alors, l'amour, c'est comme la tombola. Pas facile de tirer le bon numéro. Question de chance ou de lucidité? Alors, prenez une hypnothérapeute en quête de stabilité sentimentale, amoureuse d'un père célibataire harcelé par une ex prête à tout pour ne pas être oubliée, y compris à traquer sa rivale. Ajoutez un zeste d'idéalisme et le rêve d'une relation parfaite, cela donne un triangle amoureux à haut risque. La plume de Liane Moriarty, fine psychologue et observatrice mordante de la comédie humaine, ausculte nos peurs, notre obsession du bonheur et notre stupide conviction que l'amour, c'est tout blanc ou tout noir. Au risque d'y voir flou. Trop cool. Ça me tente vachement. Next. Ça nous vient des éditions Bellefin. Alors, c'est une épreuve non corrigée. Paradox Hotel de Rob Hart. Du coup, je n'ai pas le quatrième de couverture. Donc, je vais me servir de ce petit papier. 2072. Imaginez pouvoir vous extraire de la réalité, côtoyer Mozart, Cléopâtre ou des dinosaures du Jurassique pendant quelques heures. Grâce au Paradox Hotel, voyager dans le passé est possible, mais faute de rentabilité, le lieu est menacé. L'annonce d'enchères privées sème le trouble, car beaucoup discernent dans ce rachat une menace bien plus grande, et si un milliardaire décidait de changer le cours de l'histoire. Responsable de l'hôtel, January Cole sait que se balader dans le temps a un coût qui n'est pas que financier. À chaque passage, le cerveau se dégrade. Elle en a même fait les frais. Et surtout, January est désormais capable de dériver vers l'avenir. Elle seule peut empêcher un crime de se produire. Au Paradox Hotel, les dimensions temporelles s'entrechoquent pour le plaisir de touristes fortunés. Ici, le temps vaut beaucoup d'argent et certains sont prêts à tout pour se l'approprier. Une pépite du thriller d'anticipation. Ça a l'air super cool. Ça sort quand ça? Ça sort le 16 février. Je pense pas avoir le temps de le lire d'ici sa sortie, mais je vais essayer de me le caser bientôt aussi. J'ai beaucoup trop de bouquins à caser bientôt, je sais pas comment je vais gérer mon temps. Pocket! Ah, je sais ce que c'est. Bah, celui-là, je suis censée le commencer aujourd'hui. Je suis censée le commencer aujourd'hui. Bon, bah, ça tombe bien. Tada! Je suis trop contente depuis le temps que je veux le lire, celui-là. Le pavillon des combattantes de Emma Donogh, que j'avais repéré depuis sa sortie en grand format et que je suis extrêmement heureuse de retrouver parce qu'en fait, il fait partie de la sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023 et comme je suis membre de ce jury,
je vais pouvoir le déguster. Je vais me le lire en lecture commune avec Louise et je le démarre tout à l'heure. Alors, le petit mot pocket. Et il y a un carnet. Cool. Un carnet Grand Prix des lecteurs. Trop cool. Yeah. Next. Ouais. Je vais m'enlever ça. Ah, magnifique. Magnifique. Couple parfait ou pas. Portrait sans filtre de l'amour moderne. C'est trop génial, je suis trop contente. Ah, j'avais tellement hâte qu'il arrive. Je vais me le lire. Je vais me le lire avant de démarrer le pavillon des combattantes. Donc tout de suite après, je vais le dégommer. Voilà. Ça va se lire hyper vite. Je vous lis ça. Les stéréotypes du couple parfait ont la peau dure, comme en témoigne depuis quelques années sur les réseaux sociaux, le hashtag couple parfait. Pourtant, dans la vraie vie, on ne se réveille pas avec un filtre. On fait des erreurs, on s'engueule, et de la même manière, on s'accepte, on s'améliore, on s'aime, et c'est tant mieux. Sans compter qu'au sein de nos relations se posent des problématiques variées comme l'orientation sexuelle, le patriarcat, l'éducation, la sexualité, la tolérance, le self-love. Dans cette nouvelle BD, Juliette Mercier fait voler en éclats les clichés qui nous oppressent et nous réconcilie avec notre propre façon d'aimer grâce au portrait inspirant de plusieurs personnages 100% inspirés de la vraie vie. Pour en finir avec les clichés du prince qui charme et de la princesse qui pète des paillettes. J'adore. C'est donc un roman graphique de chez Le Duc Graphique par Juliette Mercier, alias Stomy Buzzy, sur les réseaux sociaux et Instagram notamment, où je la suis. Au niveau du graphisme, hop, voilà, des planches prises tout à fait au pif, je ne sais pas du tout ce que ça donnait, peut-être vous n'avez rien vu du tout, mais c'est pas grave. Ensuite, yes, édition de l'archipel. Perles de lune de Di Morrissey. Hop, j'enlève ça. C'est joli comme couleur. Sydney, de nos jours. Lily Barton vient de perdre sa mère. Dans un coffret, parmi des lettres et des photos, elle découvre un collier de perles orné d'un mystérieux pendentif ayant appartenu à son arrière-grand-mère Olivia. Lily, qui ignore tout de ses origines et voudrait transmettre à sa fille l'histoire de leur famille, rejoint la côte occidentale de l'Australie où elle met au jour le journal intime de son aïeul. Au fil de sa lecture, elle voit se dessiner un amour si profond et passionné que rien n'a pu le surpasser. Perle de lune est l'histoire de cet amour qui triomphe de tous les obstacles. Jamais depuis Les oiseaux se cachent pour mourir, de Colleen McCullough, un roman n'avait célébré avec une telle force l'Australie, terre de toutes les possibles. Trop cool. Quand même plus de 470 pages. Hein. J'adore cette couverture. Ça sort quand ? C'est déjà sorti. C'est sorti hier. Voilà. Et
édition Archipoche. J'ai rien plus bien. Beaucoup de choses qui parlent d'amour. Hein. Ma vie à pile ou face de James Bailey, édition Archipoche. Et si on laissait une chance à l'amour ?432 pages en librairie le 16 février. Je vous lis. Josh est en pleine crise de la trentaine. Jade, sa petite amie de longue date, vient de le quitter. Il a perdu son job et doit retourner vivre chez ses parents à Bristol. Alors qu'il s'interroge sur ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là, le jeune homme est pris d'une idée folle. Et si, à partir de maintenant, il décidait de tout en jouant à pile ou face ? Après tout, planifier sa vie comme il l'a toujours fait lui a valu de finir sans domicile, sans emploi et célibataire. Alors, pourquoi ne pas s'en remettre au verdict d'une pièce de monnaie ? Ce qui commence comme une simple plaisanterie va bientôt rythmer sa vie tout entière. Mais au jeu de l'amour et du hasard, un simple pile ou face pourrait bien tout faire basculer. Bon, ça peut être très sympa. Hop là ! Et encore édition L'Archipel. Et je pense qu'on arrive au bout. Alors, c'est sorti le 9 février. Les ombres de Big Ben de Michel Salter. Londres 1920. Pour la première fois, deux femmes s'affrontent pour faire leur entrée à la Chambre des communes. À cette occasion, la journaliste stagiaire Iris Woodmore revient dans le quartier de Westminster, un lieu douloureux pour elle. 6 ans plus tôt, sa mère y est morte en se noyant dans la Tamise en marche d'une manifestation de suffragettes. Non loin de Big Ben, un homme révèle à Iris que sa mère n'est pas tombée par accident. Elle a sauté. Bien décidée à découvrir la vérité, Iris mène l'enquête. Tous les indices semblent converger vers Crookham Hall, la majestueuse demeure de Lady Timpson, l'une des candidates à l'élection. Une honorable façade qui semble cacher bien des secrets. Mêlant enquête policière et récit historique, ce roman est aussi celui du combat des femmes pour leurs droits dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Trop cool. Je suis assez contente de pouvoir découvrir un roman policier et en même temps un roman historique. J'avais déjà lu un roman au niveau de... Enfin, qui se passait à l'époque des suffragettes, pas en Angleterre. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Donc, je suis bien contente de pouvoir découvrir celui-ci. Voilà, cette pile est énorme. Et la dernière chose qui me reste à ouvrir, c'est la cube. Hop, putain. Alors, le petit mot du libraire. Bonjour Pascal, je vous souhaite une très agréable lecture avec cet ouvrage captivant. L'ouvrage en question, c'est L'Empathie de Antoine Renan, un thriller. Alors, il resta plus d'une heure debout face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis, il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait, une apothéose. Cet homme, c'est Alpha, un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie. Violé et torturé selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Roche et Marion Meigny, capitaine au sein du 2e district de police judiciaire, la brigade du viol. Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent,
aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner, il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Eh ben, c'est cool. Ça me tente bien. Ça a l'air assez horrible, mais ça me tente bien. Non, ça, je vais pas le mettre. Avec, il y a une espèce de biscuit. Un biscuit. Un truc qui se bouffe. C'est très bien. Ça, c'est quoi? Alors. J'arrive pas du tout à lire. L'ombre des forêts. Ok. Ok. Un mini calendrier comme ça qui se plie et qui se fout dans son porte-monnaie, si on veut. Je sais pas. Ok. Du thé cosmétique. Ça, je prends. Là-dedans. C'est quoi, hein? C'est un marque-page. Un marque-page aimanté. C'est aimanté là, donc tchouk. Ok, créé par amour par la cul. Ça me va. Une jolie carte de remerciement libraire avec une rose. Et puis la préface, le petit fascicule de la cube qui a pris une nouvelle forme. Ok, cool. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres au cours des derniers jours, je veux dire même des 10 derniers jours. Voilà, sur ce, je vais vous abandonner et je vais directement me plonger là-dedans. Je vous en reparle demain. Et après, c'est parti. Louise, j'arrive. Hello, on est samedi et je reviens tout juste de la boîte aux lettres, donc je vais ouvrir ça avec vous. Le premier paquet qui nous vient des éditions Michel Lafon comporte Nadia, c'est un polar de Marc Fouchard aux éditions Michel Lafon. Il sort le 16 février. Alors qu'elle enquête avec son collègue et fiancé sur les trafics de Sofiane, le plus gros caïd du 93, Nadia, une jeune policière déterminée, en vient à soupçonner son petit frère d'être mêlé à ce business. Il lui promet qu'il n'a rien à voir avec ses combines, elle décide de le croire jusqu'au jour où l'irréparable se produit. Deux policiers sont abattus et une chasse à l'homme lancée. Entre les liens du sang ou les liens du cœur, Nadia va devoir trancher. C'est un premier polar pour Marc Fouchard. Hop. Je gratte parce qu'il est sale. Hop là. Cool. Trop cool. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, il y a un paquet. C'est un petit mot d'anniversaire. C'est donc un cadeau d'anniversaire en retard de la part de Sophie, Louise, Emeline et Lily. Oh là là. Qu'est-ce donc ?
trop beau. Qu'est-ce que je vais mettre? Wow. Trop canon. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Où est-ce que je vais accrocher ça? Je réfléchisse. Comment ça pourrait tenir là-dessus? Trop cool, merci beaucoup les filles. C'est trop beau. Trop chouette. Trop trop chouette. Bon, je vais réfléchir à comment attacher ça dans ma bibliothèque. Je suis contente. Trop cool, merci beaucoup. Je reviens pour vous parler de ce roman graphique, Ne jamais couler, de Marie de Breuer. C'est illustré par Lucie Macaroni et c'est édité chez Le Duc Graphique. Le Duc Graphique, ils ont un don pour nous sortir des romans graphiques d'une justesse incroyable. C'est toujours bien fait, c'est des sujets qui sont forts, qui sont engagés, des sujets de société, d'actualité, et c'est hyper pertinent. C'est fait avec souvent beaucoup d'humour, et en même temps c'est bien dosé, et c'est tellement bien pensé, tellement bien réalisé, et fait de façon tellement ludique que ça permet de toucher le plus grand nombre. Donc je ne peux que vous recommander d'aller jeter un œil à ce qu'ils font si vous ne connaissez pas. En tout cas, celui-ci ne déroge pas à la règle, Ne jamais couler, de Marie de Breuer. Marie de Breuer, elle est journaliste. Elle a écrit un documentaire en 2020 qui s'appelle La grosse vie de Marie, si je ne me trompe pas dans le titre. Alors ce documentaire, moi je ne l'ai pas vu, mais en gros il aborde la grossophobie au travers le récit de la vie de cette autrice. Et elle réitère donc l'exploit ici avec cette BD. Je l'ai trouvé très bien fait, ce roman graphique. Donc Marie de Breuer nous raconte le récit de sa vie, de son enfance, voire même de sa naissance, jusqu'à l'âge adulte. Elle nous explique les difficultés qu'on peut rencontrer, en tout cas que elle a rencontrées, à grandir et à évoluer dans une société où on n'a pas les normes standards, où en l'occurrence elle était en surpoids, et où il faut tout le temps affronter le regard de l'autre, tout le temps affronter les réflexions des autres, dans tous les domaines de sa vie. Elle explique combien ça a été difficile, notamment d'aller chez le médecin, de peur de devoir monter sur une balance, combien ça a été difficile d'envisager une vie sentimentale et sexuelle, de peur de ne pas plaire. Donc ce problème du regard de l'autre, ce problème du regard de soi aussi, le problème de ne pas s'apprécier suffisamment, de ne pas aimer son corps, l'estime de soi, c'est hyper important. Et en gros, je trouve ça très bien fait, donc avec beaucoup d'humour, et en même temps c'est très touchant, c'est fait de façon ludique, et puis le support de romans graphiques, hein, de BD, ça aide forcément à rendre les choses très ludiques. J'ai bien aimé le côté hyper Pepsi et coloré des illustrations, je trouvais ça hyper chouette. Et voilà, et donc j'ai trouvé que c'était très bien fait, et que ça explique bien le fait de, voilà, dans une société, dans la société actuelle, on a tendance à toujours pointer certaines choses comme étant un problème. En l'occurrence, elle parle du fait d'être en surpoids, du fait d'être gros, ben, le fait que ce soit pointé du doigt comme étant forcément un problème, ben, c'est simple en fait, la solution, c'est de faire régime. Ben non, en fait, c'est pas ça. Voilà, donc je l'ai trouvé très bien fait. Je peux que vous recommander d'aller jeter un œil à ce roman-là. Voilà. J'ai aussi découvert celui-ci. Couple parfait ou pas, portrait sans filtre de l'amour moderne. C'est un roman graphique qui est écrit et illustré par Juliette Mercier, toujours chez Le Duc Graphique. Juliette Mercier, elle tient un compte Instagram, Stomy Buzzy. Stomy Buzzy, c'est un compte Instagram que je suis maintenant depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup. Je trouve cette nana vraiment incroyable. Elle avait sorti un premier ouvrage, je ne sais pas quand c'était. Tac. Ma crône de vie, histoire d'une rescapée à l'intestin malade. Parce que Juliette Mercier
a la maladie de Crohn et elle vit avec une poche de stomie. Et donc elle en parle régulièrement sur ses réseaux sociaux, elle fait des illustrations par rapport à ça, et donc elle a sorti un précédent ouvrage par rapport à ça, et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie de le découvrir. En attendant, j'ai découvert celui-ci, qui parle de la vie de couple avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, donc si vous n'êtes pas second degré, bah n'y allez pas, ça ne sert à rien. Et en gros, elle fait voler les clichés, les stéréotypes de, voilà, du couple parfait, et au contraire, c'est une ode à l'imparfait, une ode à l'amour. Il y a 1000 façons d'aimer et 1000 façons de vivre sa vie de couple au quotidien, et voilà, et c'est hyper bien fait, c'est rempli de bienveillance, de tolérance et de drôlerie. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Au niveau des planches, j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc en fait, en gros, c'est à peu près une page, une planche. Et donc, une page à un instant de vie. J'adore les illustrations de Juliette Mercier. Découvrez-le. Voilà.